politicien, ou pas faire aucun rien sérieux. N'est-ce pas vrai? Ou seulement amuser chaque jour, utiliser micro la presse, à voyer monter. Eh bien, ou pas faire ça n'est-ce pas? La campagne officieuse. Le travail de proximité, aljoindre une population. Filel, coutisel, palavel, ralel vinsou. Et puis, on garde pour un bon matin la baille d'eau à tout l'autre politicien qui sous pouvoir. Quittez Jovenel Moïse faire élection li. Le PHTK est décrié avec dossier 4,5 milliards de dollars qui disparaît là. Nous pensons que la population qui a fou après voter mon PHTK. Eh vrai? Mon population pral bay PH ça. Eh mes politiciens. Eh mais c'est bien côté mal calculé. Pas aucun monde dans la population, j'ai le clair, qui va voter mon PHTK. Je vous garantis ça. L'essentiel c'est aller à l'élection avec Jovenel Moïse et puis tout faire. Clap! Nous allons clé coup. Pour qu'ils ont payé l'élection, politicien. Bonjour, Jules Exidor. Bonjour, Esaü César. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Louko Désir. Bonjour, Pierre Martin Tatout. Bonjour, toute équipe technique. Là. Et nous dit vraiment tout super branché qui ont même connecté nous de partout en Haïti, tant que dans la diaspora. Et lundi diaspora, et nous voulons parler de tout Haïtien qui en République Dominicaine, qui. Et dans Antillo, aux États-Unis, Canada, nous parler de vraiment pour de la gueule les trois blancs, oui. En tout cas, nous parler de tout Haïtien qui en France, République Dominicaine. Parlant de République Dominicaine, vraiment gagne étudiant yo, Esaü qui ouais. Et par contre qui sait pour y aller encore. Et parce que immigration et la guerre là derrière matin qu'on en nuit et bon gagne même qui dit yo te konn prend dans la rue qu'on y a gagne les même dans caillou yo rentre prend yo et nous songe et deux dominicains qui été kidnappé dans pays hein le président Abinader lui-même il était impliqué directement et pour permettre que yo joigne libération de deux dominicains ça mais on dit et fort longtemps haïtiens en République Dominicaine a maltraité et il a bousculé yo yo gen problème identification mais nous gon l'état qui fait mégel gon paquet consulat un paquet consul l'autre boa et consulat qui plusieurs côtés et vraiment n'a demandé qui travail qui véritable travail qui véritable travail que et vraiment il y a fait et parce que haïtien sa yo qui est en République Dominicaine yo et vraiment par contre qui sait pour y reler encore là gagne plusieurs là-dedans qui relèm qui écrim mais et m'a regarder et une note du moins un message que youn là-dedans yo voye bam là qui représente un groupe qui écrim pour mandé me parler à autorité yo bien entendu. Et nous avons toujours parlé comme de fait, nous parler ici en chaque matin et sous misère haïtien a passé dans la diaspora alors certains pays et République Dominicaine Chili mais étudiants yo vraiment yo besoin que Haïti et du moins autorité haïtienne yo prend assumer responsabilité yo parce que yo fait me connait là te gagné ministre Claude Joseph qui lui-même te promet que li a prend en charge et dossier yoa jusqu'à présent alors c'était janvier depuis janvier yo te promet yo que yo a permettre que yo joine visa étudiant qui pour permettre que yo suivre cours et zanmi sa li nan 4e année médecine et ben li fait me connait que vraiment yo pas ka aller l'école parce que immigration vraiment à chercher yo et c'est un comité que yo mettez sous pied mais selon sa zanmi en ferme connaît comité a beaucoup bail résultat hein comité a
pour qu'on ait résultat et qui résultat est-ce que comité est capable d'avoir résultat est-ce que ministre affaires étrangères là n'est pas supposé impliquer directement non permettre que étudiants ça yo même yo joigne visa pour yo capable continuer étudier parce que l'on connaît et problème UEH là fait face pas gain vraiment capacité d'accueil là li pas suffit pour ensemble de bacheliers qui a fini là yo nous connaît yo en pile dans la rue bon et pas tout qui gain moyen pour yo rentrer dans une université et privée et vraiment l'état haïtien si gon bagage qui capable fait le rapide parce que étudiant yo nan besoin hein yo nan besoin moi espérer que nous tendez et parce que c'est petit pays hein et si là qui en situation irrégulière yo a prend yo chaque jour voyez retourner ban nous et mais si étudiant eux même qu'à chercher et pain de l'instruction que nous malheureusement nous poko gain assez capacité pour nous bailler la caille nous mais il prend dehors faut au moins nous permettre que yo étudier et penser en toute quiétude parce que visa étudiant li vraiment c'est condition sine qua non pour capable poursuivre étudio ministère des affaires étrangères ministre Claude Joseph et prend dossier ça en main parce que étudiant yo même yo besoin visa étudiant en tout cas. Et Jean Connel, c'est toujours un plaisir pour nous là, pour nous capable porter ba ou émission ça. Nous pas prêter toi parce que nous gagnons un invité et avec nous et c'est si nous pas qu'un bel toi, c'est un ministre m'a quitté le soin Isaïe pour capable nous gagnons en studio le ministre Mathias Pierre qui c'est ministre qui chargé des relations avec pas le parlement avec le CEP papa et le CEP et les partis politiques. Bonjour monsieur le ministre. Bon, Isaïe, m'a salué tout le monde qui est sous plateau et tous les amis dans le studio et n'a salué tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, internaute qui dans toute diaspora. Regardez dans toute diaspora tout côté dans pays hein. Et son plaisir pour moi m'avec vous. Et nous quand émission ça c'est émission par nous trouvons ensemble pour nous parler et je dis parce que n'a cap font ti causer. Nous font ti causer, n'a blague directement à travers les élections. Et terrain à niveau là, est-ce que le propice pour que élection arrive organisée en d'un pays? Alors, moi mes questions ça et a eu parce que question ça chaque leur poser mené que ici que l'autre bord de l'eau moi dit même bagarre là. Si nous pas faire élection, qui formule que nous gagne pour nous mettre un président dans pays? Parce que chaque leur moi me poser problème là comme ça parce que qui ça veut dit? L'on fait élection et sa démocratie amendée. C'est que chaque monde dans la population a une chance par yo pour que c'est eux qui décident qui monde qui vous dirige. Ou a une petite chance ou gain. Ou ka bal mandat ou ka retirer mandat, chaque gagne élection. Ça veut dire que son pouvoir que peuple a gagne. Vox populi, vox dei. Voix du peuple, c'est voix de Dieu. Maintenant, chaque pas gagne élection, ça veut dire que c'est pas élection, ça veut dire nous retirer peuple dans jouet là. Et puis nous quitter deux nègres qui influent Pétionville avec Port-au-Prince, décider de qui est-ce qui a dirigé le pays, de qui est-ce qui a président le pays. Et pour moi, toute bagarre est là. Ça veut dire que pour moi, élection pas doué si ou ça, élection doué c'est une obligation. Ça veut dire que pas qu'un monde sous terre ça, pays ça, depuis 1987, qui t'a supposé qu'il y a droit de retirer dans le peuple haïtien. Pouvoir que quelqu'un a mis, qui c'est avec un ticket pour la non-bureau. C'est le tigre de pouvoir. Ah oui. Ouais. Pour le dire, moi, je voulais monsieur le président de la pays. Ok. Et ceci, ce n'est pas mon Pétionville seulement. Non, il y a 300 000 mon Pétionville, 300 000 mon Delma, 300 000 mon Cafou. Ok. Il y a à peu près 300 400 000 mon Port-au-Prince. Mais c'est dans 572 sections communales. Il y a des nègres rivières avec Tibultin Votlia, des nègres Tibouan, des nègres les Anglais, des nègres Fort Liberté, des nègres la Tortue. Femme la torture, li gen pouvoir ça. Et pour moi, élection, c'est ça le dit. Donc là nous dit nous entrer dans année électorale. Pour moi, c'est pour nous faire préparatif pour nous même mise en place pour que nous garder et utiliser tout moyen que nous gagnons pour que nous faire élection. Et moi dit tout nèg qui veut pouvoir, t'as supposé aller dans élection. Tout nèg qui démocrate, t'as supposé d'accord pour aller élection. Ça veut dire que discours qui dit que élections sont option si pas gain nous pas ca
ça veut dire que son discours quitte automatiquement retire pouvoir ça dans le peuple là et puis il mette le dans main de monde. C'est ça n'est en autocratie. Ça veut dire en autocratie, ça veut dire qu'on retire pouvoir dans main massio en travers système démocratique pour bail pouvoir et pour dire deux nèg qui Pétionville et Port-au-Prince qui parlait fort dans radio Port-au-Prince et puis qui parlait fort et etc. mais il n'y a pas capacité pour convaincre peuple là et pour bailler au pouvoir. Et la question de convaincre peuple là, grand pile monde, pile monde en dans pays là, les politiciens en particulier au niveau de l'opposition, yo gagne une psychose de peur pour aller confronter et on nous dit les élections dans la mesure où yo estimé que c'est à perdu d'avance. Qui soit qu'a dit, qui soit qu'a assuré monde ça et qui au même à un certain niveau prend et bateau de pèlerin yo pour laguer quoi on est là rien pour demander transition et que même pas quoi dans élection parce que pensez que c'est perdu d'avance. Bon, je pense que effectivement argument ça à savoir que en fait c'est une peur qui gagne qui fait nèg peur à l'élection parce que nèg toujours quoi femme toujours quoi que machine électorale là à savoir CEP1 et machine économique là à savoir fonds qui gagne à travers pouvoir cap toujours utilisé pour favoriser yon moun par rapport à l'autre. Moi même moi ka dit que 2015-2016 m'étais candidat et m'goumen en pile pour que gen bon élection dans pays. Moi pas gagné à quoi ça, moi pas gagné dire ça président. OK. Ça dit que moi même l'homme président li rele m'li dit m'li bon job là, li dit premier bagage li même li pas gagné candidat et m'rete sous ça. M'a besoin dit quatre président Jovenel Moïse pas gagné préférence pas aucun aucun monde. Là quatre exemples que le bon moi même quatre exemples. Il dit que c'est un tel, que c'est un tel, que c'est un tel, que c'est un tel, quel que soit monde qui déclare le candidat que le président depuis le convainc peuple là le président. OK. Ça c'est et c'est engagement ça que moi même gagne. Maintenant qu'en est-il de la machine électorale? Parce que il y a eu une pile discussion qu'a fait sous CEP. Crise CEP pas posée jodi hein avec président Jovenel Moïse. OK. Si nous rappelons bien constitution 1987 là, il y a quelques journalistes qui ont essayé de passer le contraire mais c'est ça le dit. Constitution 1987 là, il dit faut qu'il y ait élection indirecte qui fait et en dedans élection indirecte yo, gagner des assemblées qui mettent en place et à partir des assemblées yo, département yo délégué des moun et c'est comme ça CEP était supposé faire. Ça va jamais arriver fait. Ça va jamais arriver fait. Yeah. Et c'est ça fait un amendement constitution 2012 là. Qui ça que vient sortir la donne, il dit que c'est trois pouvoirs qui supposé mettre membre pour bail CEP, trois pouvoirs, trois monde de pouvoir exécutif, trois monde de pouvoir judiciaire et trois monde de parlement. Et ça a pas été fait encore. Et pourquoi vous dire gain nous tentative président Préval là et Jovenel là fait à peu près 4e ou 5e tentative pour mettre un CEP permanent en place. Qui ça toujours bloqué CEP yo? Parlement yo pas jamais d'accord voyer CEP, voyer monde pour faire CEP. Et nous même songer que président Martelly était rivé gon côté, il était installé 6 membres parce que le parlement pas de voyer monde. Il fait 3 conseils électoraux. Il fait 3 etc. Donc exactement tentative président et Jovenel là c'est 4e tentative. Ouais. M'a continuer. Deuxième élément, qui ça pour gagner pour faire élection? Ou besoin CEP ou besoin loi électorale? Nèg politique qui dans parlement et majorité n'est qu'à parler en pile là, tout est dans le parlement, yon pas d'accord pour que loi électorale vote. Et encore. Donc loi électorale là, t'es dans le parlement. T'es loi électorale là, projet loi électorale là, t'es dans le parlement, n'est qu'à pas jamais voter. Ok. Maintenant, si un président de la République n'a pas gagné CEP, n'a pas gagné loi électorale, comment il a fait élection puisque tant que il y a un parlement, il n'a pas prendre décret. Ok. Mais ça me font dit peuple la vérité. Et moi même regarde population en pour pas vérité. Garde dit vérité. OK. Nous oh oui, ou dit militaire gain majorité. Mais intérêt me tout dit pas gain président gain majorité en Haïti. Majorité a dépend de qui intérêt chaque grain nègre en dedans parlement. Il n'y a que les intérêts qui se jouent. Les intérêts individuels. Okay. Et pour me dire c'est ça que fait nous pas prioriser intérêt collectif yo par rapport à intérêt nous même concilier eux même qui vient faire que nous toujours nous lutte d'intérêt individuel. Maintenant, le président, il arrive dans une situation côté parlement vient dysfonctionnel, il utilise encore les dispositions transitoires de la constitution amendée, qui c'est même disposition transitoire ça que le président privé a été utilisé pour te mettre et conseil électoral en place et avant et il fait un conseil électoral. Il invite des secteurs clés
quand nous sommes capables de dire la presse, quand nous de l'autre secteur que nous connaissons, pour participer dans le CEPA, nous déclinons. Oui, nous avons une invitation que tu fais au niveau du secteur de la presse, nous sommes courant. Oui, parce que bon, on est les grandes associations de presse qui, en général, toujours désignent les gens. Ils n'ont pas désigné les gens. Il y a des organisations anti-terroristes. Président Jovenel Moïse, tu vois une lettre by AMH, AMI, AJH, ANCP. Archive par les nationales capables de tout donner ça. Vous avez invité secteur décliné. D'ailleurs, et de décliner en dans disposition transitoire, il dit tout secteur qui pas désigné moun, président, comme il cite tout secteur qui doit voter moun, tout secteur qui pas désigné, président qui a choisi un autre secteur. À la forme de Préval, il fait. Et c'est comme ça que CEPA est monté. Maintenant, regardons bail. Quand le monde qui fait débat sur pas prêter serment. Ouais, ouais. Un bel débat. Yo pas prêter serment. Moi me dis au niveau de la cour de cassation. De cassation. Juge yo té nan palais dans installation CEPA. Ça dit là. Son gros vent son bail là. OK. Ou dit juge cour de cassation. Té nan palais. Juge. Vous allez? Juge yo pas dans cour de cassation pour prestation serment, prestation serment pas fait. Bon moi même m'était dit on lève. Yo té nan installation mais yo pas. Parce que quoi? On prend parce que t'as un plan déjà sous plan transition. Hein. Pour qui ça? Parce que en deux plans, si Mambio pas prêté serment, ça veut dire qu'on vient d'anticiper qu'après une crise. Ok. Pour dire CEPA pas prêté serment et sous base ça et Noël. Après ça, février qui sont ouais juge candidat, juge qui voilà, est juge président, juge qui est en coup d'état, juge qui a fait campagne. C'est ça la réalité et c'est pour ça que crise l'a créé. Maintenant l'argument et de palais national qui était clair dans la constitution il clairement dit conseil électoral permanent doit prêter serment à la cour de cassation mais il va dire qui ça et parler de prestation de serment pour conseil électoral et provisoire mais pour nous dire bien c'est que je veux dire tout bagaille ça met à côté président continue dit li ouvert bras li vle un accord politique même s'il faut un accord minimal sous toute question ça yo président paré pour le débat même pour la question de revoir la montée du conseil électoral provisoire président paré pour l'ouvert tout pour discuter tout bagaille soit dit la son pour information bail la oui parce que accord politique quoi la donne parce que année ça ah président qu'un accord doit bon moi c'est ça que l'idim l'idim et moi connais que l'a travail d'arrache-pied pour que ça fait OK maintenant je dis moi dit tout le monde qui en face si nous croyons dans la majorité de gagner comme nous dit nous gon majorité on chita son table on joine un accord on fait ça gain pour faire mais écoute pas faire bagaille qui était faite en 2016 là en 2015 là côté que nous menons bataille et puis l'élection présidentielle refaite nous gain tout nèg qui était en groupe dans bataille là yo tout candidat et qui vient faire ou diviser vote toi je dis réunis nous on gagne candidat OK on a fait élection vont gagne candidat. Je veux dire, on est capable de dire que l'élection. On a bien monté dans l'opposition ou soit non, ça en dans la matrice opposition. G8 là, t'es fait yon. Les finalement, nous jouons annulation élection, nous jouons pour yon refait, mettez commission d'évaluation qui se débat à nous mené. G8 a fait 5 groupes. 5 groupes? 5 groupes. Et ma boîte 5 groupes. Yo. Ok? 5 groupes là, où gagne plus ou moins et des nègres respecté parole li, sans flatterie, et Jean-Baptiste. Dès le départ, je dis, monsieur, dans le groupe, ça, je voulais qu'on ait qui ça résultat à OTE, c'est pour ça que je voulais commission, mais je suis Jude depuis l'élection à fait. Correct. Steven débat, même moi, je fais même balle. Vous comprenez? Et Sauveur Pierre-Étienne débat, même moi, je fais même balle. Après ça, tout reste négo, chaque négo font. Les gens, ils sont en. Tout négo fait groupe pour quoi, tout négo tourne à l'élection. Ok. Jodi, hein, si nous faisons opposition, moi-même, je suis encouragé que nous faisons opposition. Qui unit. Okay. Même que nous avons une élection. Parce que nous n'avons pas le droit de retirer le droit ça dans mes peuples. Là. Maintenant, est-ce que l'élection est techniquement la bonne? Pour l'élection faite, il demande un temps. Et nous reconnaître que CEP en dans structure, ils sont CEP permanents parce que les gens qui l'ont, regardez les gens qui l'ont depuis 15 ans, depuis 20 ans, qui ont fait l'élection dans la machine. Machine ouais. Sauf que dans le département, dans la structure communale, CEPA, li, c'est chaque fois qu'on fait élection pour mobiliser tout le personnel, etc. Qui vient faire que, ou toujours qu'on mise en place soit faite, qui fait que l'élection coûte un pile comme. Mais dans la technicité, ça veut dire que, non, bagaille qui a fait l'élection,
depuis 2006, nous toujours utilisé le support de la Nations Unies et de l'OEA qui pour permettre nous faire élection. OK? Ça veut dire que le PNUD est impliqué dans comment des matériels dans sens si n'a pas parlé de urne, n'a pas parlé de bulletin bagages etc. matériel sensible quand coup bulletin de vote. OK? Et ben l'OEA et le PNUD toujours impliqué pour aider nous faire ça. En matière logistique, puisque élection c'est des gros logistiques. Parce que en une semaine, faut déplacer tout bagaille pour aller voyer dans 10 départements. N'a pas parlé de 1700 centres de vote, n'a pas parlé de 11800 à 11900 bureaux de vote qu'on supposé dispatch tout matériel là-dedans la nuit d'avant. Et pour que immédiatement l'élection a fini, ça veut dire fermer le bureau de vote à 6h du soir pour transporter tout le bagage pour retourner dans le système central. C'est deux gros exercices qu'on parle là. On parle de deux gros exercices qui t'a supposé faire là, qui gagnent pour faire, bien entendu. Parce que nous parlons, nous décréter en permanence et la question du référendum, nous connaissons qui préalablement des mobilisations soit parler là et élection. Et c'est ça qui fait. Nous quittons, nous allons faire là. Non, pas ça en cours. Attends, bonjour. Techniquement, en cours. Et c'est ça qui fait que moi-même, depuis que je suis là, je connais que tu as un calendrier qui est fait, une évaluation nous fait. Et c'est ça qui fait d'ailleurs, le Premier ministre avec le président confirme le job ça. Parce que le job ça tellement important, il n'y a pas quitter le noir dans tout le gouvernement. Il y a un nègre. Bon, c'est moi-même qui ai choisi. Je ne sais pas si ça et que c'est moi qui ai choisi. Il y a dit job où c'est faire élection. Faire élection, ça veut dire que c'est interagir avec différentes instances dans l'État. Mais en dans communauté internationale là, en dans système de sécurité pour, et ça faut problème très souvent tout côté parce que c'est pas là tout le monde pour me capable river parler élection et mettre tout le monde en mode élection parler à tout le monde pour me faire ça. C'est ça que fait nous gagne nous gagne une ops au niveau logistique. Je dis à un gros élément manqué dans le pays d'Haïti. C'est la première fois que nous faire élection sans lui côté ministre par là pour faire gros déplacement d'équipement. Donc nous en train de travailler avec le ministère de la Défense et qui lui-même à travers mais après regarder qui ça va mettre en place qui vous permet de déplacement en fait. Et certainement au niveau de la police nationale, qui lui-même a une très longue expérience en dedans et à côté ministère pour organisation élection. Et nous avons une cellule spéciale et qui est les cellules de sécurité électorale qui gagne un IG en tête li, qui est très expérimenté, c'est Boya. Qui a l'habitude là. Même prêt à diriger cellule ça, qui pour planifier toute question de sécurité. Planifier toute question de assurer parce que faut assurer bureau sécurité centre de voiture, faut assurer sécurité bureau de voiture convoi pendant après et les après élections les... et ceci et comment nous allons regarder. Donc tout élément ça sont en train d'être mis en place et nous avons l'autre partenaire international qui est extrêmement important expérimenté depuis 15 dernières années dans l'idée de faire élection, c'est l'OEA. Ça veut dire que élection est supposée faire. Okay, mais nous même au niveau d'Haïti, faut que nous mettions nous d'accord que faut élection faite. Faut que nous sécurisons. Et c'est l'âme d'avoir livré avant. Faut que nous-mêmes, partis politiques, faut que nous entrions dans cette section pour nous convaincre. Parlant de partis politiques, rencontre, est-ce que déjà projeté rencontrer ou bien déjà rencontré certains éléments de la classe politique de l'opposition? Si oui, et comment ça est? Bon, vous voyez, c'est que Mathias parle à tout le monde. Okay. Alors, il y a des bons amis, je ne vais pas citer de personnes. Qui dit pas c'est au créle blanc mais ministre là créle bon que les femmes disent c'est pas créle l'eau au moment où c'est ministre créle que quand on va voir la ministre mais on parle à Mathias pour bon écoute qui n'est pas qu'on ne veut pas de mes 54 petites années qui pour aller là ça a dit que tout le monde ne veut pas et moi-même moi son est qui remet civilité moi remet et bon bah mais affronte comme qu'a fait débat on est mais pas un jour à nég normal ok pas fait ça. Parce que moi, c'est que quand il y a qui toujours apprend moi, et professeur Barbier était toujours dit, et politique sont ceinture en ligne. Yeah. Il a dit que je suis dans un groupe de pour pouvoir jouer dire, et puis demain, je vais retrouver nèg ça que je dois retrouver en de pouvoir avec. Et je pense que tout jeune capitaine de doit prendre politique là comme ça. Mais ça veut dire que j'ai une limite pour ne pas dépasser dans l'affrontement avec nèg là. J'ai un bagage qu'on ne peut pas dire qui est capable de déranger. Permanent, de façon permanente avec Negla, et ça fait c'est ça le radical. Okay. Donc moi-même moi toujours considéré comme un modéré et c'est ça fait me penser que me faire politique avec quel que soit. Monsieur le ministre, population électorale nous gagne aujourd'hui à combien lié? OK.
Et là où vient sur un dossier qui est extrêmement important, qui c'est ça que les cartes d'identification nationale là et ONI. Sous question ONI et gagné jodien et 4 millions de monde plus qui enregistré pour gagner carte électorale. Maintenant, et si on monde tout dit li, si on monde pas gagné carte électorale là, et ça veut dire que pour le faire ou besoin acte de naissance ou extrait d'archive ou acte de baptême. Maintenant, grand pile moun que nous te connaît, alors pour faire comparaison pour nous comprendre, l'ancienne carte électorale là, parce que là on a parlé de carte d'identification nationale qui est différente d'une carte électorale. Dans l'ancienne carte électorale là, et Mathias Pierre te doit apparaître, on pas gain acte de naissance et puis mené ou même mené Isaïe bon côté mais puis yo dit moi c'est Mathias. Et puis yo fait photo, yo bon carte là. Et puis on prend deux autres nèg là et puis me paraît dans l'autre bureau, moi dit moi c'est Jean-Jacques. Et puis deux témoins yo d'accord que c'est moi Jean-Jacques et puis yo prend photo. Donc c'est ça fait nous te gagner en pile monde qui te gagne plusieurs cartes parce que etc. Dans nouveau système là, ça pas possible. Parce que non seulement on prend photo, on pas gagner deux cartes. Yo prend photo, yo prend empreinte tout, yo prend facial ou, ça veut dire que li difficile pour toute bagaille ça yo que gagne des monde qui identique, même des jumeaux. Et de ça de vrais jumeaux pas arriver quand même pour arriver dans cette situation. Donc li impossible dans système ça là pour yon moun ta gen 2 4. Et c'est ça que fait yo parler de numéro d'identification unique. OK. A dit sou gen 4 là, sou en bas à droite, l'ou ap gade en bas à droite. OK? Ou ap wè numéro d'identification unique là. Mais gen l'air gon l'autre numéro qui relè numéro dossier, c'est pas le numéro carte là. Dans pile moun k'ap di yo gen plusieurs cartes pour occuper yo, c'est faux. Et la police pral derrière yo. Donc ça ka arrive que moun gen deux cartes. Li ka arrive gen deux cartes. Côté gel. On m'a dit la police vinn dem parce que m'gen. Attends, ou pas gen deux numéros d'identification unique, ou gen numéro dossier. Son fait, c'est qu'on ou di ou perdu carte ou. Non, pas seulement. Attends. Yo bam deux. Attends frère. Ou di moi-même tout yo relèm la pour mon l'autre deuxième carte. Ou pas m'bra di ou yo ka imprimer carte là pour deux fois. Ouais. Mais sou gade à droite en bas. Li ou gagne tout les cartes là en informatique. Parce que sou pa gagne pas dire parce que non, non gagne deux cartes là, gagne deux cartes. OK. Alors monsieur le ministre, une seconde. Attends, m'a parlé de pas gagne. Non, monsieur, je pose, gagne deux cartes. Écoutez. Ou gagne deux cartes, ou gagne 50 cartes. Monsieur. Attendez. Ou gagne 50 cartes. En bas en informatique, m'a parlé en informaticien. Il n'y a pas qu'à générer pour deux numéros d'identification en bas, numéro qu'en bas, à droite là. Il n'y a pas qu'à deux fois. Numéro dossier, quand là qu'à imprimer deux fois, ou retourner à un numéro dossier. C'est comme si vous faites photocopie, un bagage qui existait. Okay. Mais gain de cartes, ça t'avait dit que, ou même, non paraît sur un lot, ou même figure paraît avec un lot nom, et puis avec un lot numéro d'identification, il est totalement impossible. C'est pour ça d'ailleurs, compagnie qui fait bah ça, son compagnie allemand et les Allemands sont les meilleurs en matière alors, de technologie. On t'a dit okay, si yo imprimer deux cartes pour yon monde, deux cartes là supposé identique à tout point de vue. Tout ça sous A, il supposé sous B. C'est ça. Écoute, on pas faire débat ça avec ob là pour qui ça okay. Parce que ou pas gagne carte dans mon. Sous te gagne carte dans mon, n'importe qui l'a gagne deux cartes dans mon, m'a vienne faire débat avant. Ou bien ma voix directeur on y a une fait débat avant li impossible quand on dit ou pas ka gagne deux cartes c'est pas que ou pas ka imprimer deux cartes pas ou gagne apparaître dans la police là ou dit ou perd un carte ou bon papier aller imprimer quatre là même toute information qui sous deux information même et seule information qui a différent c'est numéro dossier en l'air la différent mais le numéro en bas le numéro d'identification unique c'est quand pour monde qui gagne nifio. Ouais moun ki gen nifyo ça veut dire que ou gen on nifini mais ou gen apparaître dans DGI ou di ou son l'autre moun yo bon l'autre nif ça okay. Pas possible en dans système ça parce que yo prend toute information biométrique ou OK ça veut dire que yo prend figure yo prend yeux yo prend main yo prend lèvre yo prend empreinte tout sous 10 doigts tout pas gen deux citoyens dans le monde qui capable même avec ou et c'est pour ça jodi hein
d'après le facial recognition pour monde qui connaît ça et intelligence artificielle yo, c'est ça fait c'est à travers visage ou que yo identifie. Donc ça pas capable. OK monsieur le ministre. Donc pour nous retourner sur de précision, population électorale là. Nous gagne 4 millions monde qui gagne carte là. Alors qui enregistré qui pas gagné là. Attends. Il y a 4 millions de monde qui gagne 4 là, ça veut dire que qui enregistré. Maintenant, al prend 4 là. Attends. Al prend 4 là, sous décider pas prend 4 là puisque ça arrive pour un pile monde qui décider pas prend 4 là. Ça pas veut dire qu'on pas gagne 4 là, 4 là là. Maintenant, bon numéro et va chercher pour tout à l'heure qui téléphone, bon call center, corrélé et puis il a cherché carte pour il y a baoul, il y a des robocall que il a voyé pour tout le monde qui va venir prendre carte yo, il y a des SMS que il a commencé voyer pour tout le monde qui va prendre carte yo pour yo aller dans bureau loni pour côté de faire carte là pour y aller réclamer carte yo. Sauf que alors excusez, gagne une information assez importante, tout ça n'est important et gagne un dit fait qui prend dans centre portail, centre santé portail le Ghana dans on a parlé là d'après un employé centre là. Donc n'a demandé pour que et service d'urgence de ambulance yo François, monsieur et Harold Turnier, n'a bien pour nous parler avec à midi, eh ben, et qui lui-même est spécialisé dans le dossier ça, nous demander pour que et nous demander pour que et centre ambulancier et centre ambulance alors et pompiers pour capable envoyer pompiers aller éteindre du feu qui dans cette santé qui est très important qui desservi en pile zone dans zone portail Ogan. En tout cas, le gouvernement attendez nous, il y a ministre Guy François qui lui-même en charge de toute question citoyenneté et dire il faut dit nous numéro A, c'est 8822. Donc sur tout téléphone qu'on gagne ou capable faire 8822 si ou son monde qui fait carte ou parle prend carte là fait 8822 et en 8822 il y a dou qui ça pour faire pour 24 ou bon call center que l'ONI met en place. Okay. Mais une information importante que me pas oublier. Pays a te gagné dans ancienne carte là te gagné près de 2.8 millions. Ça veut dire 2,8 millions monde qui t'est fait sous Jamdoula, deux témoins identifiés, mais y'a pas gain acte de naissance. Donc, gouvernement prend une grosse décision, et le président Jovenel parle de lui à plusieurs fois. Côté que y'a demandé presse nationale avec le ministère de la justice pour arranger pour bailler tout le monde qui pas gain acte de naissance dans le pays pour bailler acte de naissance. Nous connaissons que c'est un problème qui est remonté depuis l'indépendance. Eh bien, il y a 3 millions de actes de naissance qui sont imprimés, il y a 572 clerc qui engagé par le ministère de la justice dans toute section communale dans le pays. De bon monde ou pas gagne acte de naissance, puisque acte de naissance ça ou obligé gagne ou bien acte de baptême là ou bien excès d'archive là pour faire 4 là, et bien yo a bau acte de naissance ou et puis qui pour permettre de manière permanente pour identifier ou et que ou al fait 4 là. Gagne des registres qui enregistrent qui pour permettre que une fois ou fin fait acte de naissance là, yo mettez dans registre là, yo voyez dans ministère de la justice pour aller dans archive nationale de sorte que yo identifié comme haïtien sous territoire là. Donc c'est pour nous dire que jodi an gagne de manière agressive gagne dans tout et consulat haïtien à l'étranger pour moun ki nan diaspora yo. Jodi an Saint-Domingue gagne 5 émissions consulaires qui gagne tant gagne toute bagaille sou de Saint-Dominicani ou bezal fè katou chercher acte de naissance ou aller dans yon nan mission consulaire Santiago Igwe m'a fait travail là pour ministre Guy mais faut on faire li parce que li important aller faire carte d'identification nationale. Sous aux États-Unis, il y a 7 missions aux États-Unis, eh bien, il y a un temps météo à l'effet 4 d'identification nationale, ou, puisque c'est lui-même qui peut prendre le droit pour voter. Donc, ceci étant dit, je pense que de manière agressive, nous avons arrangé nous pour tout le monde qui pense que nous n'avons pas bien 4 pour voter. Oui, nous n'avons pas bien 4 pour voter, et des décisions sont en train d'être prises. Je dis, on n'a pas qu'à faire passeport, son baguette 4. On n'a pas qu'à faire rien dans le DGI avec notre trésor public, son baguette 4. Banque centrale gen tan sorti circulaire sou pa gen passeport ou pa gen licence ki ou ka identifié ou non banque sou pa gen carte ou pa capable faire transaction ouvert compte etc. Ça veut dire que les dispositions sont en train d'être prises par l'état haïtien pour que permettre que tout citoyen yo gen carte yo identifié. Ça veut dire que sou pa le voter c'est ou pa vle. Monsieur, alors monsieur le ministre, bien pour question carte là on t'a posé question ça. Alors moi qui poser question tout monde qui gen carte li enregistré automatiquement donner ça pour le transmettre by CEPA et c'est eux-mêmes qui pourraient constituer liste électorale. Ça veut dire que quand on a 4 là dans mon coup, on va prendre les lits d'eau,
Mais wap en dans registre électoral là et jodi a gen plus que 4 millions moun ki gen dans système. Monsieur le ministre, on dit que moi c'est yon moun ki yon citoyen qui te fait 4 li qui gen difficulté pour moi joindre. 88 22. Moi j'ai téléphone là en font exercice. Non, on pas on pas fait ça. Relé moi même tester déjà. C'est ça m'a fait là. Moi même tester déjà dans radio nous. Nous on fait une fois. Il pas passé. Donc la radio est très pratique. Non, deuxième fois, il n'est pas passé. Attends. On fait le troisième fois. Attends. Troisième fois, il n'est pas passé. C'est très grave. C'est très grave. On allait encore quatrième fois. Nous allons pour quatrième fois, monsieur le ministre. Bonjour. Quatrième fois, il n'est pas passé. Et puis moi-même, j'ai besoin de quatre là pour me réaliser. Attendez. Ça a privé. Attendez, bonjour. Nous tous connaissons les problématiques qui gagnent pour faire appel téléphonique dans le pays. Ah bon, nous connaissons ça. Maintenant, et nous tous connaissons. On pas pral citer nos compagnies, nous connaissons. OK. Mais moi dis ou moi-même personnellement, moi testé son centre d'appel, moi testé 8822 okay. Et 8822 c'est numéro centre d'appel ONI qui pété en place. Comme yo connait numéro pas, yo fait support là. Et yo même fait une entente, yo même fait une entente avec Digicel et un accord qui signé entre compagnie Digicel et compagnie Natcom. Avec l'ONI, on a essayé d'utiliser un numéro avant d'aller. Sous mon Natcom, essayez de faire numéro 1, essayez de vérifier parce que Digicel n'est pas semblé pas passer sous lui. Majorité haïtienne qui a téléphone Digicel. Majorité haïtienne qui a téléphone Digicel. Mais quand même, parce que l'on n'y a pas de problème. En tout cas, alors, question d'abord posée à M. le ministre, sur une population électorale de 7,5 millions. Alors, c'est l'on dernier donné. Dernier donné. Si je suis là, je viens de faire une émission avant, je viens de faire de bonne foi. Si nous sommes journalistes, on fait avec information. Et pour ça, me demande avant, monsieur le ministre, quelle est la population électorale actuelle? Dernier donné sous ancienne carte là, que d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies a répété, il était 6,5 millions. Nations Unies? Il était 6,5 millions. On parle d'Haïti, monsieur. Moi-même. Moi, t'es qu'on est comme candidat dans l'élection, dans la dernière liste électorale sous ancienne carte là, il était 6,5 millions. Et actuellement? Et moi, dis où? Vous pas t'apprendre, non? Actuellement, moi, tout sous 6,5 millions, songez! Esaü, oui. Mathias Pierre, t'es venu avec des arguments, l'elle t'es qu'on est plusieurs cas, t'es parlé des mouns, des zombies qui votent. Nous songez pas ça? L'un t'es tourné pour nous demander parce que nous connaissons un paquet de mouns qui ont des cartes. Te gen 2.8 million moun en dans 6.5 million an, ki pa gen acte de naissance nan men yo. Ça veut dire que ou te gon système et d'ailleurs sous même 6.5 million ça on garde chiffre élection depuis 2006. En 2006, te gen 2 millions citoyens qui te sorti pour aller voter. Sous élection 2010-2011, te gen 1 million citoyens qui sorti aller voter. Dans deux dernières ou encore trois dernières élections que fait yo 2015-2016 t'es gagné dans élection législative yo à peu près 1 million moun qui voté ni dans élection présidentielle qui t'a annulé yo et dans élection 2016 présidentielle qui t'a gagné Kazek ça veut collectivité là dedans yo t'es gagné 1.2 million moun qui a voté. Entre-temps, ça veut dire que c'est pour m'expliquer au que en dans 6.5 millions ça que n'ta parlé a. OK, que à un certain moment, pas même qu'à imprimer carte by moon. OK. Nous pas jamais rivé à une population qu'a voté qui même rivé à 1.5 million moun sous m'a parlé de 2006 à jodia, ça veut dire que soit à peu près 15 ans. Donc jodi en moi quoi que avancer des chiffres qui pas correct. Non, monsieur, et le ministre. Vous c'est ministre qui responsable et parti politique. Et pour ça, on va me déposer question, me demander quelle est la population électorale actuelle. Parce que lorsque on parle, dans ça a été dit. Le problème c'est qu'on pas quitter me poser question. Ou dit, moi dit dans ça a été d'un coup a dit un bagage qui pas correct, on pas quitter parler. Ah OK. M'a couvre parce que faut peuple là va attendre pour information pas bon. OK, pas de problème. En tout cas, comme moi pas gain données à monsieur le ministre, voilà, quel est le ministre qui est responsable question élection. Jodian. Donc ou faut gain population électorale en tête tout. Jodian, il y a 4 millions monde qui enregistré dans système. Qui enregistré mais c'est la population électorale. Tout monde. Combien monde qui combien potentiel électeur qui gagné. M'a vous dire qu'à fond devinette pour. Ah OK, donc, voilà. Ça veut pas gain données. C'est non. Attention, pas gain donné. C'est ce que je suis en train de te dire.
La code électorale que nous avons remis là, qui était mettée en place en 2006, ministre avec l'initiative de quelqu'un qui est mort, son informaticien, le Pierre-Richard Duchemin, okay, qui était premier nec qui était sorti pour entrer, intégrer la code d'identification que le fait qui était géré par CEPA, qui vient créer ONIAN, ok, okay? Moins dur que dans toute base de données. Yo, en anglais, il y a une expression qui dit garbage in, garbage out. Ou mettez Tintin là-dedans, il y a un Tintin. Lorsque vous avez deux personnes qui paraissent, qui prennent identifié comme tel, qui identifient comme tel, nous tous avons plusieurs personnes qui ont plusieurs cartes, la base de données n'est pas de bon. Et maintenant, vous avez une responsabilité qui prend. Si nous suivons bien, le référendum l'a poussé jusqu'au 27 juin. 45 jours avant le référendum, là, c'est là ça y a fermé la liste électorale. Yo. On a une capacité pour le faire, autant de capacité pour le capable d'imprimer 56 000 cartes par jour. Okay. C'est la capacité que on a. Bureau là, il y a des campagnes qui ont fait à travers le pays, hein, sur les gens dans la gradance. Ou après que on a, avec le ministère de la Justice, a fait des campagnes dans toute section communale, a travaillé à toute casek pour les gens à faire carte, je dis, on encourage les citoyens yo pour okay, nous dire que l'élection pas bon, l'élection va écraser, pral gen problème, faut que nous dire faut que yo al prend carte yo pour yo capable exprimer yo pour que bulletin de vote yo décider de qui moun k'ap diriger. C'est vérifié, c'est vérifié, et tout ça ministre dit a gen un moun qui voye un carte pour moi là, li voye même moun nan, OK, c'est Raymond Jean-Baptiste, li même li dit qu'il gen deux cartes et li pas comprendre ça n'a pas l'état là, l'a gagné. Et en l'air, numéro dossier, ok, numéro dossier c'est H0000C9519 et numéro identification, c'est vrai, numéro identification c'est 109-74-74-394. L'on regarde dans le même 4 qui sont deux fois, on va prendre le même numéro avec deuxième numéro dossier, deuxième numéro de l'autre dossier, ça, c'est, il finit par 325, tandis que l'autre premier numéro dossier, il finit par 519, c'est le cas. Bon, retirer chapeau Mathias Pierre ministre pour me parler avec chapeau Mathias Pierre informaticien. Tout le monde connait bien, me fait vie m'a fait quoi dans l'informatique. Claire. Moi c'est nèg qui commencé informatisation Banque Nationale du Crédit en 1998. Et me travaille pour ça. Donc c'est clair, c'est clair pour lui clair en informatique. Li impossible pour un monde dans une ça relo comme numéro unique là, ça nous piquons dans les numéros compte en banque nous. Li impossible pour un monde de même numéro de compte. Gen même numéro de compte. Clair. Ça va pas possible. Clair. Tout système informatique gérer ça pour que pas à aucun moment un numéro qui est assigné à ou pour un compte en banque, il pas qu'à ou assigné à un autre monde pour un compte en banque. Numéro a li unique. OK? Et c'est ça que fait vous parler de numéro d'identification unique. Vous parlez de la carte d'identification nationale et vous parlez de numéro d'identification unique. C'est la première fois. C'est que vous êtes aux États-Unis, pour les gens qui habituent dans la diaspora, les autres social sécurité. Numéro social sécurité, li unique, li pour vous seulement. Pas de deux personnes qui gagnent. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que oui, vous avez 10 cartes dans le mais là, vous pouvez faire liste électorale, vous pouvez essayer de voter, de vous voter déjà, système là, vous voter, ou pas pour voter encore avec l'autre carte pour gagner dans parce que numéro d'identification, li unique. En tout cas, retournez dans le ministère, on parle à la ministre, on mette l'informatique du côté. Alors, nous avons essayé là et faire un exercice pour nous capables d'informer la population sur question. Et parce qu'on a parlé d'élection, techniquement, on dit techniquement, on a bien préparé, mais si techniquement, nous pas qu'on. Qui combien potentiel électeur nous gagne, libre difficile parce que nous t'ai parlé là de 6.5 ou t'ai parlé qui t'ai gagné et entre-temps de l'ai t'ai gagné 6.5 là à jodiant gagne des monde qui mouri qui qui donne fini monsieur le ministre soit faire ou faire devinette pour qui ça va faire devinette parce que la population haïtienne il y a un paquet de chiffres qui avancé on croit qu'on a un recensement qui est en cours dernier recensement pas il date de en temps de dernier, parce que chaque 10 ans, il fait recensement. Non, pour information, le ministre, non, parle de la population. On éduque le peuple. Je parle de la population électorale qui est différente de la population haïtienne. Je viens sous. Faut nous battre pour ça, après la population jeune. Frère, si je viens là, je ne suis pas honnête avant, je ne vais pas Mathias. D'accord. Je ne vais pas vous dire. Bon, l'offre recensement, il permet tout compte population qui moun qui gagne un pays.
Mais sans relais population électorale là. La population électorale, c'est moun selon la constitution qui doit voter ça à partir de 18 ans. Ça veut dire que jodiant il faut que nous connaissons qui quantité moun dans pays a qui gagne 18 ans. M'pa kwè gon moun jodiant qui ka dit dans pays d'Haïti ou pa tande m non frèm. Ou pa ouais, pa fann konnen ki quantité moun nan peyi an ki gen 18 ans, nou pa konnen. Personne pa konnen. Sauf que nan tout statistique yo toujou di, non, l'autre dit personne pa konnen lan. A dit que nou pa konnen. Tant que l'état pa konn konbien moun gen. Tant que écoute. C'est ça. Non, recensement pou kon fè. Écoute. C'est ça mais ministre. Moi sont dit que l'état pa konn konbien moun gen. Moi sont dit recensement dirigé. Tout enquête yo toujou di plus que 65% population haïtienne en bas 34 ans. C'est toujours comme ça yo bay li. Ça veut dire que jodi l'état va travailler. Écoute. C'est ça. Et l'état coupe bay chiffre yo. Nous pas là pour accuser l'état. L'état coupe bay chiffre yo. J'ai dit j'ai gon institution qui là. Ouais dit ou pas t'attendre. Moi dit bay chiffre yo. Chaque dernier recensement c'est depuis yo fait recensement dans tout pays dans le monde. Aux États-Unis, on est en train de faire recensement. On fait les recensements tous les 10 ans dans les pays. C'est un standard international. Mais en Haïti, nous en état. Le Trump bloqué un recensement pour le pas immigrant la donne parce que c'est 10 ans plus tard que on t'a fait recensement encore aux États-Unis. Et pas nous. C'est pas Haïti, il y a un recensement en cours. OK, et agence SIM quoi qui en charge de question recensement, c'est HSI. Dernier fait 2009. Attends. Gagné un recensement en cours 2009, et 2019, à partir de données ça yo, à partir de données ça yo, tout monde qui gagne plus que 18 ans yo capable voter. Maintenant pour voter comme citoyen faut joindre un bagay qui pour dire al fait katou, faut gon besoin pour utiliser katou, okay. Et c'est comme ça nouvelle, et c'est ça que fait jodi an nous encourager, et au niveau gouvernement, ministère éducation nationale, qui leur pour un petit monde al fait katli. En général, c'est l'elle pour aller dans le baccalauréat. C'est l'elle ça demande pour l'identifier. C'est ça nous dit. Ouais. Mais c'est pas l'elle qui a 18 ans. Nous pas identifier moun à la naissance en Haïti. Nous identifier. Attends. Ouais. C'est l'elle pour aller dans le baccalauréat que vous demandez identifier tête tout. Et je vous dis un système là qui a identification à partir de l'âge de 18 ans. Maintenant, si l'on a une capacité de production de 56 000 cartes par jour, je vous dis à nous seulement 15 000 moun qui présentent pour aller faire bureau carte. Okay. C'est ça fait une mobilisation qu'a fait, c'est ça fait n'a parlé de lui pour inviter moun à le faire katyo, parce que nous besoin tout citoyen gen katyo. Si gouvernement pas mette en place côté pour enregistrer, si pas mette en place sante oni, si pas mette des bagailles, ça veut dire que chaque côté moi même moi prend information que pas gen bureau oni pour moun à le faire katyo, nous travaille avec direction l'oni pour que ouvert katyo. Par exemple Canaan gon bonne nouvelle k'ap vini côté que sante olympique là. C'était là où tu comptes faire 4 là. Moun nan Saint Olympique, tu fermé espace tabay et chose. Je dis l'autre jour, moi parler avec directeur Saint Olympique là, li parler avec directeur Onian et je dis nous mandel pour bay toute disposition pour que bay moun Canaan espace pour faire 4. Ceci étant dit, ou ka faire 4 tout souvle. Parce que mais ou pas ka retour tout pour faire 4. Yo pas ka retour dans la rue ya comme haïtien sou pas identifié. Son choix lié. Donc je dis moi quoi que nous devons dire moun yo au lieu n'a créer des problèmes di yo al fè kat yo dans dernier décret ça ou dit non yo ka arrêté oui dans dernier décret ou dit yo pas ka arrêté ou dit le volontaire alors que dans dernier décret qui sorti sous question identification nous dit clairement depuis yo joine nous 104 identification y a touché sur salaire minimum dans sous pas travail et sous pas travail y a prend soit 10% sur salaire ça veut dire les sanctionner li pas volontaire encore sont arrêté yo marché arrêté là pour faire kat tout. Non, ça c'est ça, c'est nous ça nous dit ça. Et pas moi, parler de moi même non là, m'a pas de créa. Ou pas un problème. M'a pas de créa. Ou pas sortir et de créa monsieur le ministre. Ça monsieur faire. Monsieur pose un problème pour montrer que pas bay moun yo côté pour y faire quatre. M'a pas de problème de quoi ça non. On dit pas identifier moun yo, moi pas dire comment pour y faire pour y faire quatre. M'a dit ça monsieur le ministre. Quand on vient on l'autre thèse contre. Alors jusqu'à là dit ça, jusqu'à l'organisation des élections. M'a dit non, m'a dit ça. On a dit n'a parlé de honnêteté monsieur le ministre, n'a parlé de au ministre. Là doit déplacer dans un monde dit peuple là je veux dire ouais quatre non ouais dit peuple là ouais dit peuple là ouais dit peuple là où sont agents de développement bon explico ouais je veux dire ah comment c'est pas moi même monsieur le ministre ouais comment c'est pas moi moi même c'est ça m'a dit là ouais moi même j'ai deux petites filles on peut mener un bureau il a fait quatre parce que me dit c'est Haïti Haïti oui on est pas capable Haïti moi même tout le monde faut le faire quatre mais vous êtes politicien vous êtes tourné à l'étranger ok bon explico moi même moi crois que je dis
ou gen yon responsabilité comme agent de développement pour encourager les citoyens à s'identifier. En clair. Là on l'état identifier tout citoyen, li ka prédit les besoins pour li porter secours. Ça n'a rien à voir avec un pouvoir de 5 ans. Claire. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir c'est de Jovenel Moïse permanent, qui permanent. Termine le 7 février 2022. Et peut-être ça me dit l'État, m'a dit gouvernement. Et peut-être ça me dit l'État, m'a dit gouvernement, monsieur le ministre. M'a dit l'État, m'a dit gouvernement. Jovenel Moïse est un président qui fait ce qu'il a à faire dans son dernier année de mandat. Ouais. Fait élection pour... Il va gagner à perdu là, il va gagner à perdu. Il va gagner à l'élection encore, il va candidat encore, il va gagner président encore dans l'élection qui a fini. Ça veut dire que aujourd'hui... On parle du bal avec tout son gouvernement. On se bat, il a fait, il a seulement utilisé appareil l'État à des fins politiques. Bon, et même sûr que s'il besoin. Mais que lui-même, il dit que balade. Voilà, voilà. Nous tout comme ça. Jusqu'à l'organisation des élections. S'il devait se faire élection, non, coquin. Pour ne pas faire élection, pour le faire bagarre, je suis sûr que c'est mauvais monde qu'il a fait. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Ça veut dire que je veux dire, moi, quoi que, de toute bonne foi, et le président l'a dit, il l'a dit, il a une dernière année mandat. La promette pouvoir cette il t'a remettre il voulait remettre il a pris toute disposition pour le remettre lui à un président élu. Élu. Et il est en train de faire la transition qui est demandée par tous. Jusqu'à l'organisation des élections, à combien nous pensons que nous sommes capables d'arriver quelque chose à aller pour monsieur directeur général et ONI, hein? Mais jusqu'à combien monde qui en âge de voter n'a privé gagner sous et fichier électoral. Bon, moi je pense que gagne ministre Guy François et qui sont ministre délégué même avec moi. Mission c'est citoyenneté, ça seulement monsieur a fait comme job. On a d'ailleurs mettre un monde dans le gouvernement qui a fait ça comme job. Et si nous sommes les dernières fois information t'est sorti qui te grand pile parler par politicien etc., c'est un million monde qui te gagne dans le système. Je veux dire là 4 millions. 4 millions. Ça veut dire que ah bon? Je veux dire et 4 millions dans le système. 4 millions dans le système. Parce que moi-même et moi gain et avec directeur Onien tous les 3 jours et souvent des informations combien lié en chiffre etc. m'a bon exactement parce que tous les 3 jours je reçois le rapport sur quantité citoyen par département par commune par section communale qui au même gain carte et c'est ça que fait nous on fait de manière scientifique quand comme de la grandance gain ça relo on caravane qu'a fait côté ministère de la justice. Tout système état civil là mis en place qui pour déplacer avec ONI qui vous permet moun et n'a fait dans tout pays. Et nous te prévoir pour moun qui est à l'étranger, vous venez voter moun dans diaspora, moun qui Canada là qui mandé qui bon là les mêmes sur Canada. Canada a un petit problème parce que Canada fermé jusqu'en avril, ça veut dire pas aucun monde qui ca rentrer Canada, c'est ça fait équipement pas arriver Canada déjà. Mais aux États-Unis sous toutes 7 missions consulaires yo, ministre Guy Cavier tout équipement yo getan déplacé moun pour faire formation getan déplacé qui donc moun qui à l'étranger a fait 44 États-Unis d'Amérique Saint-Domingue là et dernier rapport de hier ministre Gisimba ko ko avon petit texte moi gen plus de 900 moun qui getan fait 4 yo Saint-Domingue ça veut dire là m'parler Saint-Domingue a fait moi comme ça m'relé République Dominicaine gen 5 missions considérées là-dedans Santiago Higüey Santo Domingo etc. donc gen tout moun sa yo gen 2 équipements si on campé pour l'autre remplacer moi parler avec bon ami moi et James Jacques qui lit même Santiago côté que Mounio c'est étudiant yo qui Santiago a fait 4 OK bon bagage ça veut dire que aujourd'hui nous sommes en train et c'est le vœu du président de la République pour que diaspora a voté nous allons faire une mission pour nous capable évaluer et diaspora très intéressé hein? Avec capacité comment pour nous bailler Mounio les moyens et ceci a été discuté avec les instances qui sont en train d'organiser les élections pour nous bailler Moun qui dans diaspora a droit pour voter aujourd'hui le vœu et c'est nous-mêmes en Haïti, je dis, hein, nous devons d'accord que faut que citoyens identifiés et nous-mêmes comme agents de développement, on a des gouailleurs de développement. Ouais, on va faire bon là, on va dire peuple à le faire tout. On est disponible, faut que le faire lui au jeune nid. Bon mais sigo. Faut le faire lui jeune pas là. Si me donne un message que va recevoir là, mandé ministre là pour moi. Me fait pas mandé depuis 8 mois, mon cas jeune nid, me fait pas mandé depuis 6 mois, 88 plusieurs. Gen Marigo. Au-delà de ça, au-delà de ça. Message bon là. Gen yon task force qui gen la dan bon mais sigo. On task force même participer dans deux réunions dans task force là. Gen ministre Guy qui préside sous question citoyenneté. Okay. Il y a un directeur ONI là-dedans. Il y a un directeur presse nationale parce qu'il est impliqué pour les gens qui ont besoin d'acte de naissance. Il y a un directeur et la poste là-dedans. Parce que leur fait Katio, la poste, c'est lui-même qui transportait Katio dans le lieu côté bourgeois. Il y a un directeur ministère de la justice là-dedans. Et tout l'autre ministère qui est impliqué, dont moi-même,
qui est ministre qui est impliqué, dont moi-même, qui pour permettre que nous faciliter et débloquer tout problème. Nous avons une task force qui sont groupe là, qui ont des vidéos qui pourraient sortir, qui pour permettre que tout le monde connaît qui ça pour faire pour aller à 24. Ouais, quand on parle avec le ministre Saget, on voit bon moins. Il dit sous République Dominicaine, gagné plus de 1100 moun qui ont en fait 4. Ça veut dire de information de gagné hier qui te gagné 900 moun nan, li gagné update pour moi. Okay. Ça veut dire nous gon task force côté que nous intéressé à ça qu'a fait là, nous voulons que ça qu'a fait là réussi parce que li pas travail un président, pas travail un gouvernement, li c'est travail l'état haïtien. Eh ben nous souhaitons okay. Tout bon vrai monsieur. Et ministre qui dit ou Esaïe. L'ap vinn nan matin débat. On va éviter. Oui, OK. Pour être capable de parler de questions d'identification. Parce que. Eh bien, en direct, monsieur le ministre, vous êtes invité lundi. Pour que ça, identification est importante pour qu'on ait. Et pour moi, identification est importante. Parce que vous ne pouvez pas enlever le droit aucun haïtien qui a plus que 18 ans pour que l'on vote pour décider qui est le président pays. Non. On va pas. Il va le faire. Il va le faire 4 ans après 2022. OK? Non, il va le faire. Il va le faire. La fait passe pas. Et sous son citoyen. Bon, même il y a des citoyens que et des citoyens VIP. OK? OK, sous son citoyen VIP, moi-même en 30 minutes ou café fait tout. Sous son citoyen VIP. Ouais. OK? Parce que qui s'allie, on y mettait vraiment hein et on pas contre flatter moun. Pas flatter moun, moi rencontrer monsieur et directeur de l'ONU hein, et Jules Delibère, monsieur compte à l'affaire. Alors monsieur compte à l'affaire techniquement. Et le système, il est bon, sans flatterie. Jusqu'à présent, okay? c'est recevoir ou pas qu'à recevoir. Non, parce que, c'est là tout plein. Non, parce que pour la question de sécurité de Sanapalea, l'impression des cotes l'obligeait à centraliser. Ok? Et comme nous avons un problème, l'OTAN sous les États-Unis, vous voyez quatre la ou par la poste. Mais nous, comme nous avons un problème de adresse, de bagaille, donc vous obligé à retourner quatre là. Encore dans le bureau côté où tu fais là, normalement, il y a côté c'est 3 jours, et si ça fait la poste impliquée. Oui, il y a des côtés, il y a des côtés. Parce que c'est le temps pour y aller imprimer et puis pour y retourner dans le bureau. Tabac, et tabac me fait prêtement, dans 3 jours. Dans le bureau côté où tu fais là, il faut que. Mais normalement, dans l'autre pays, où tu as mis des 4 là dans l'enveloppe, il y a là, même 24 heures, 48 heures, ou 24 heures. Capacité d'impression, ce n'est pas le problème là. Quand il y a un citoyen, pas oublier que il y a toute une campagne de dénigrement qui fait ce 4 là. Pas oublier, c'est aujourd'hui que le gouvernement, c'est vrai que tu as un décret arrêté que tu es sorti, qui te dit le 16 octobre, c'est des dates limites pour tout le monde qui est là. Mais tu as un pile de réticence, même quelque part côté dans l'État, pour t'implémenter. Mais aujourd'hui, vraiment, je pense que tout organisme dans l'État, qu'il s'agit de la BRH, qu'il s'agit de l'immigration, qu'il s'agit du ministère des Finances, moi pense que il y a tout un ensemble de dispositions étatiques qui ont été prises dans les derniers 22 jours qui pour permettre que citoyens yo comprennent son obligation pour yo identifier tête yo, son obligation pour gagner carte là. Tout le monde qui a parlé de rien monde qui dit yo gagne carte là déjà parce que yo gagne carte nan mais qui expiré en 2022. La carte d'identification nationale que n'a pas les hein, c'est carte que ONI bail hein. D'ailleurs, on a un point différent de notre okay? Numéro d'identité, on si on caméra là, ouais, c'est 4 ça. Et grand pile petit vidéo, grand pile grand campagne de sensibilisation qui a sorti, qui t'a fait déjà qu'a sorti, c'est 4 ça qui la cote. Tout l'autre 4 qu'on gagne qui pas gagne ça, il grand pile information la donne, il gagne des bails qui peut être scanner 4 là. Donc c'est 4 ça et moi encourager que tout citoyen yo identifier tout. Et c'est ça. Nous va le finir, nous va le finir avec ministre, nous va finir net parce que n'a pas pour retourner là encore parce que élection de façon permanente. Élection vie pays. Moi dit que moi dit élection c'est pont pour stabilité. Élection c'est pont pour la paix, élection son pont qui peut permettre nous arriver à développement économique. Pour qui ça? Laissez le peuple avec un mandat pour diriger le pays. Ya. Et puis, tout le monde connaît, bon, monsieur a un mandat 5 ans, en retenant, on a préparé le terrain, pas faire des choucages, pas faire pays lock, pas faire des ordres, camper le pays. Ya. Bon, même, et nous ne pas parler de lui, monsieur la police a venu parler de lui, la question de la sécurité, qui sont gros soucis, il y a des grandes dispositions qu'il prend. Vous détentez déjà hein? Vous détentez déjà. Et qui ça? Vous détentez déjà. Et détentez, mais le ministre a dit nous détentez. Tout le monde détentez. Le gouvernement est solidaire. Hein? Le gouvernement est solidaire de cette décision. Okay. Okay? Mais fondamentalement, c'est que la question du kidnapping. Parce que moi, nous, là, quoi question du kidnapping, non, monsieur?
gen des gros nèg qui impliqué dans la question kidnapping. Ah ouais. Là j'ai cap fait kidnapping, mais c'est monsieur Edbois vin ba cap fait comme non. Ça capé chez arrêté. Il y a des auteurs intellectuels. Oui, ça ne pas arrêté. Et maintenant, président, songez bien lundi dernier, lundi ils font point de presse. Eh bah, non. Et il y a privé sous. Non, attention, yeah, attention. J'y. Vous songez les te prend brent? Ouais. Est-ce que pas de gon la paix sous question kidnapping? Rapide. Les te prend brent, est-ce que pas de gon la paix sous question kidnapping? Rapide. Et ça a été original Delva. Avec le grand original Delva. Bon. Eh ben qu'on y est, bon m'explique. Pour être assez grand nèg ça yo, c'est pas dans la rue on prend le bar ou les fonds moun. Faut aller dans compte en banque yo, UCREF, ULCC, tout système l'état BRH met en place pour commencer suivre l'argent. Suivre l'argent côté l'argent yo pralé. Et à privé sous yo. Parce que kidnapping nan visé nous tout. Nous tout en danger et li mettait pays en danger, li mettait des pays en péril. Et moi quoi qu'on obligation, je pense que le gouvernement a des grandes dispositions qu'il prend et le président de la République, il est engagé. OK, pour que yo mette main dans collecte kidnappeur. Gen moun ki alors que y a habitué tant de paroles ça déjà les, toutes les dispositions ont été déjà prises et je passe les instructions formelles et comme si phrase ça comme si population entend de pile. Sauf que ou te wè les anel qui était prison en jeune qui était là avec Galilée nan men, c'est ton Galilée. Avec facilité. M pas dire M4 c'est Galilée. M4. OK, ça y va aider moi. Pas fin comme ça et pas de. OK, nous déjà Anel qui était prison. Grand pile là qui était content. Anel là, n'est pas passé. Pas de problème. Faut dire n'est pas passé. Léon Charles, thank you. 24. Mm-hmm. 24. Nous ballons Léon Charles. Alors monsieur le ministre, est-ce que n'arrivé ceci étant dit la cellule spéciale anti kidnapping qui est mise en place par le président lundi dernier à sa tête Léon Charles, le directeur général de la police nationale. Très bien. Ça veut dire que le président lance un message fort. Et il baille. Attendez, oui. Directeur général de la police. Là, mission. Mission. Pour le marché prendre. N'abtenez le résultat. OK. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci pour l'invitation. Donc, et en route vers les élections, en route vers le référendum. Mais c'est nous dit, après tout, regardez qui l'a reçu invité pour nous faire des débats.